Le temps des lilas est le plus beau de l'année. On met toute son espérance à l'attendre. Mais il passe si vite qu'on a peine à retenir son parfum. On se réveille un matin. Et c'est déjà l'été. Trop lourd. Les lilas se sont fermés, ont séché et disparu. C'est votre mère qui vous a appris le pas de valse, Mademoiselle Blanche? Non, ma sœur, celle qui a beaucoup de cavaliers. Vous n'en avez pas encore, vous? C'est ma sœur qui les a tous. Elle est si jolie. Vous aussi, Mademoiselle Blanche. Vous aussi, vous êtes jolie. Hé, hey, c'est pas joli, c'est de la bêtise, papa! Non, je dis pas trop ses pieds! Ah, ça a été de nous attraper, si t'es capable! Hé, les gars, sur mon nom, ils vont faire sa carabine à plomb! La carabine à plomb! Ils nous laissent jamais danser en paix. Reste encore un peu de musique, c'est comme si on avait tort de continuer à vivre. On doit faire drôle, c'est pour ça. As-tu fini d'arroser les gentils? Oui. Le muga va sortir bientôt, je pense. Je le sens déjà. Vu-tu qu'on soupe dehors ce soir? C'est toujours agréable. Maintenant que le mois de mai est arrivé, il fait assez chaud. Je vous remercie, monsieur. À la prochaine valse, mademoiselle. Vincent, madame. Oh, excusez-moi, monsieur. Maman, j'ai cru que... Je vous ai pris je pour... Je viens pour la chambre que vous annoncez dans le journal. On ne l'a pas encore louée, mon ami. C'est bien 10 $ par semaine? Oui. On ne peut pas demander moins que ça, hein? Bon, très bien, je la prends. Vous bâtelez vite les affaires, vous? J'aime pas perdre mon temps à marchander, monsieur, puis une chambre ou une autre, elles se ressemblent toutes. Il l'a seulement pas vu. Mais tu sais que pendant un instant, j'ai vraiment pensé que c'était... Vous ressemblez tellement... Oui, c'est une manie, n'écoutez pas. Si vous voulez me suivre, je vais vous montrer la chambre, c'est au deuxième étage. On a droit au jardin. Au jardin et à la balançoire. C'est un beau jardin, c'est rare en ville. On en prend soin du mieux qu'on peut. Hein? Ça fait 35 ans qu'on vit ici. Je m'appelle Vincent Marquis, je suis célibataire. Avez-vous des parents ou des amis à Montréal? Non. Oh, personne. Ma famille était de Montréal, mais c'est dispersé depuis le temps que je l'ai quitté. Alors moi, si je vous demande ça, c'est par pure formalité. Suivez-moi, monsieur Marquis. Vous serez notre quatrième locataire. Ah, j'aurais préféré être seul, mais pour 10 $ par semaine, on peut pas être trop exigeant. Vous savez... Un escalier en avant, et puis celui-ci en arrière. Et puis en plus, vous aurez droit à la cuisine commune. Madame, c'est un vrai paradis. Avouez toujours des ressemblances. Ah.
Oh, tu as eu la même impression que moi, Fitch. Pas de guette. Il n'y a rien de Lucien. Ah? Mais il faudrait que je regarde sa photographie comme il faut. Tu l'as trop regardé. C'est ça, l'histoire. J'y ai trop pensé. Il doit pas être bien riche. Son veston est usé jusqu'à la corde. Tu pourrais peut-être lui demander un petit peu moins. À chaque nouveau pensionnaire, c'est la même chose qui recommence. Si je t'écoutais, ma maison deviendrait le refuge de tous les pauvres gens, puis j'arrivais même plus à payer mes taxes. Non! Il n'y avait pas de bagages, ton marquis. Il doit aller les chercher à son ancienne pension ce soir. La chambre lui plaît? Mais il n'y a pas assez de remarques. Pas un grand parleur. Oh, généralement, les hommes parlent pas pour rien. Ils réfléchissent plutôt. Quand tu sortiras, je monterai que j'arrangerai sa chambre un petit peu mieux. Tu es tombé dans l'œil, hein? Mais un homme qui vit tout seul, c'est triste. Au contraire, je le trouve chanceux. Tu dois être un philosophe. Il a compris. Ça pousse les fleurs, pépé! Qu'est-ce que tu veux, toi? Joanne est arrivée? Pas encore, mais ce sera pas long. Combien de temps? Une dizaine de minutes, à peu près. Je vais l'attendre. Tu pourrais demander permission. Je la mangerai pas, votre coup. T'es pas chez toi, mon garçon. Je te le dis au cas où tu saurais pas. Oh, j'aime pas les cérémonies, moi. C'est ennuyant pour mourir dans votre jardin. Ça pue les fleurs. Je reverrai Joanne à soir. Dans noirceur, on est mieux pour se parler. Salut, les ancêtres! Si jamais il arrive quelque chose par ta faute... C'est tellement pas un garçon pour elle, tellement pas. La pire petite canaille du quartier. Il travaille pas, il flâne toute la journée. On peut rien faire, elle l'aime. Il y a quelqu'un dans la chambre vide! Juste comme je rentrais du bureau, j'ai entendu des gros pieds qui marchaient, puis ça s'est arrêté, puis ça a recommencé. Vous vous énervez pour rien, malgré... Oui, on vient juste de louer la chambre à un nouveau locataire. Oh, bon. J'aurais dû y penser. Elle était vide depuis si longtemps, j'ai dû m'habituer, faut croire. Parlez pas. C'est sûrement un homme. Il est jeune. Assez. J'espère qu'il sera pas trop bruyant. Les murs sont comme du carton dans votre maison, on entend tout. Ça pourrait être gênant. Les lilas devraient être ouverts. Ce serait plus tellement long, Marguerite. Pardon, il y a du savon quelque part? Oui, dans la petite armoire, près de votre lit. Merci. Bonsoir, monsieur. Vincent Marquis. Il est mal élevé. Il aurait pu attendre que je me présente. Quelle est la profession de ce monsieur? Sa profession? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est, mon besoin, sa profession, Virgile? Je sais pas. Oh, mais Virgile a jamais été bien curieux. Vous avez confiance en n'importe quel étranger, est-ce que je vois? Je me sens plus du tout en sécurité ici. Quel mal voulez-vous qu'il vous fasse, Marguerite? On ne sait jamais. La vertu d'une femme... Votre fiancé Horace sera toujours là pour la défendre. Il devrait être revenu de son bureau, mon fiancé Horace. Hier, il était en retard aussi. Il avait une haleine fétide. Il avait bu de la bière avec des mauvais compagnons. Ça y arrivait jamais avant. Je sens que si je le laisse continuer dans cette voie, je vais le perdre. On dit toujours que le printemps, c'est la saison des promesses. Il s'est pas encore décidé. Non. Il attend. Il se trouve toujours une bonne excuse. Ça devait être pour bientôt. Autant des lilas qu'il m'a dit au début de l'hiver. Les lilas vont fleurir, puis on n'est pas plus avancé. Il s'imagine que j'ai 20 ans, il y a encore bien du temps à perdre. Ça paraît peut-être pas, mais... Je peux bien vous le dire à vous. J'approche de la quarantaine. Il faut tout lui rappeler ça, malgré. Horace est un garçon distrait. J'en parle souvent. Trop souvent, peut-être. Des fois, j'ai peur qu'il se lasse.
depuis un an qu'ils sont voisins de chambre et qu'ils se connaissent. Il me semble qu'ils devraient finir par se décider. J'aurais qu'existation, moi, si j'étais lui. Puis en avais-tu quand tu me fréquentais? J'étais jeune, ma vieille. Je connaissais pas le danger. Toi, t'as dû te lever du mauvais pied ce matin. Je t'ai jamais vu aussi malicieux. Faut s'amuser un peu avant de mourir. Faut s'amuser. Sans ça, on meurt sans jamais avoir souri. La vie, c'est pas une chose triste, ma vieille. Si c'était triste, ça nous serait égal de mourir. Tu m'aurais enduré, toi, si j'avais gardé un visage de croque-mort pendant 50 ans. Pour fêcher toutes les jours. C'est le printemps une fois par année. Une fois par année, je me sens aussi jeune que le lilas. Tout, un vieux sacripant. Voilà ce que t'es. Un vieux sacripant de vanité. Lucien, il y aurait quel âge aujourd'hui? 35 ans. Ce serait un homme. Quand il est parti, c'était encore un enfant. Si tu trouvais pas toujours des ressemblances, si... C'est plus fort que moi. J'y pense sans arrêt depuis 15 ans. C'est ça qui t'a mis de l'ombre autour des yeux. Bonsoir, Madame Blanche. Bonsoir, ma petite enfant. Hey, c'est une belle journée aujourd'hui. Ah, c'est le mois de mai, qu'est-ce que tu veux? Si Horace était plus jeune, vous feriez un beau couple. Oh! Horace! Tu es là, Marguerite? Tu pourras au moins monter et me dire bonsoir. Tout de suite, je monte tout de suite. Allô, Marguerite? Allô? Elle est souvent fâchée. On dirait qu'elle passe une partie de sa vie assise sur une plotte d'épingle. Ça doit pas être confortable. On a eu une grosse journée au bureau. Mais ça paraît. Tes yeux rapetissent. T'es fatiguée, hein? Tu vas souper avec nous autres ce soir? On va pique-niquer dans le jardin. Je peux pas accepter, Madame Blanche. Ça me ferait plaisir, mais c'est aussi bien que vous soupiez tout seul. Je pense pas que ça fait assez longtemps qu'on mange tout seul, Blanche et moi. J'ai peur que Marguerite soit jalouse de voir que vous m'invitez. La semaine dernière, elle m'a laissé entendre que je jouissais de privilèges qu'elle n'avait pas. Pour le moment, le seul plaisir qu'elle se permet dans la vie, c'est celui de parler. Mmh. Et quand elle sera mariée, elle en découvrira d'autres. Oh! Dire des choses pareilles devant une enfant, le bon Dieu va te punir. Je pense bien que Joanne est assez au courant de la vie. Pourquoi être scandalisée? Pas vrai, ma poulet? J'en sais assez long pour vous en apprendre. Ça se peut, ça se peut. Les enfants d'aujourd'hui apprennent tout plus vite qu'avant, puis c'est normal. Ils vivent plus vite aussi, de plus en plus vite. Si j'accepte votre invitation, allez-vous me laisser mettre à table? Jamais de la vie! Tu vas tenir compagnie à Virgile. Pendant que moi, je vais préparer le souper. Tu sais, quand tu es tout seul, il s'ennuie de moi comme un petit garçon. C'est vrai? Ben, vas-y, dis-le, vieux snoro. Ben, bien sûr que c'est vrai, bien sûr. Je lui laisse ses illusions. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Absolument rien. Je voulais simplement dire qu'on avait trouvé un nouveau pensionnaire. Quand? Cet après-midi? Il y a un quart d'heure, à peu près. Quel âge a-t-il? Devine. Le même âge que vous, 100 ans. Vous? Pas tout à fait. Il m'intéresse pas, alors. Très beau garçon, il ressemble. Ça m'est égal, les beaux garçons. À part Roméo. À part Roméo, oui. On doit sortir ensemble ce soir. Il est venu cet après-midi. Il nous l'a dit. Est-ce qu'il a été gentil au moins? Très gentil. Non, c'est un garçon bien élevé. On voit que les frères lui ont donné une bonne éducation. Il a commencé à te faire de la peine. Non, il est toujours fait avec moi. On n'est pas tes parents, t'es libre d'aimer qui tu voudras.
Tu veux me lire au nez? Ben non, voyons. Je l'ai apporté par distraction. Parle-moi, dis-moi quelque chose. Quand tu es comme ce soir, je trouve rien à dire. Tu voudrais peut-être que je me mette à chanter? Combien de jours ça va durer, Marguerite? Autant que ça prendra pour m'apaiser. Tu te rends malheureuse pour des riens. Peut-être. Je verrai les choses différemment quand nous serons mariés. Quoi? Rien dit. Je pensais que tu avais parlé. J'ai un chat dans la gorge. Disons que j'ai miaulé. Si tu n'avais pas fait de sieste après le souper, on aurait pu aller au mois de Marie. Eh oui, c'est vrai. À chaque soir, il te faut ta petite sieste, Horace. Ben, j'ai été élevée comme ça, Marguerite. Tu peux pas m'en vouloir. Ma mère disait toujours... Ta mère! Depuis un an, tu me cites les paroles de ta mère. À part parler, elle n'a pas dû faire grand-chose dans sa vie. Je te laisserai pas dire du mal d'elle, Marguerite. C'est au moins tu m'aimais autant que tu l'as aimée. Je pense que je vais rentrer. Comme ça, tu me chicaneras plus à chacune de mes paroles. Chicane pas. Tu n'as rien fait de mal, après tout. Je suis revenu du bureau avec Joanne. Très bien. Mais c'est un peu hasard. Tu la tenais par le bras. Tu riais fort. T'as même oublié de me dire bonsoir. Mais je t'avais pas vue, Marguerite. Je comprends. Tu voyais rien qu'elle. Penses-tu que j'intéresse Joanne? Penses-tu qu'elle s'intéresserait à un vieux garçon comme moi? Y a rien que moi qui soit assez folle pour ça, je pense. Écoute, Marguerite. Quand j'ai commencé à sortir avec toi, c'était pas sérieusement. J'avais mes habitudes, ma vie. Dis que je t'ai dérangé, c'est ça? Mais non, laisse-moi finir. Mais reprends-les, tes petites habitudes, si tu y tiens tellement. Reprends-les, puis laisse-moi toute seule. Tu vas pas commencer à pleurer. Ça en vaudrait pas la peine. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait ce soir. Tu es contente, là? Me promets-tu de plus l'attendre à la sortie de son bureau? Mais je l'ai pas attendu. Je te jure que c'est le hasard. Me promets-tu de plus compter sur le hasard? Je te promets tout ce que tu voudras, Marguerite. Je sais bien que je suis faible, mais... je vais te faire confiance encore une fois. Viens t'asseoir près de moi. Qu'est-ce que tu dirais du mois de septembre, Boris? Le mois de septembre? C'est un beau mois. Pourquoi tu me demandes ça? Si on arrêtait la date de notre mariage au mois de septembre? Oui. T'as une idée? Le premier samedi, disons. Pourquoi pas? Premier samedi, c'est aussi bon que les trois autres. On aurait tout l'été pour se préparer? C'est suffisant. Après un an, on peut dire qu'on se connaît assez bien et qu'on a eu suffisamment de loisirs pour y penser raisonnablement. Ah oui. Comme ça, t'es d'accord, Horace? T'es d'accord? 100%. Seulement, Seulement quoi? Ben, je sais pas encore si je vais avoir mon augmentation de salaire. Ils vont bien finir par te la donner? On avait convenu de l'attendre avant de nous arrêter sur une date définitive. Tu te souviens? Si tu l'as pas, si tu la reçois jamais? Ça va être difficile, Marguerite. Avec mon salaire et le tien, je continuerai à travailler aussi longtemps que je pourrai. C'est pas ce que j'appelle partir du bon pied. Oublie pas qu'il nous faut notre maison puis notre automobile. Pour l'automobile, on pourra attendre. C'est beau le mariage, Marguerite, mais je tiens pas à sombrer dans la misère au départ. Venez prendre le frais. Comme vous, oui. Vous êtes le nouveau pensionnaire, monsieur Marquis. Oui, c'est bien ça. Je vous dérange pas, au moins. Je montais, justement. Toi aussi, tu montais, Horace. Oui, oui, je montais. Le temps de prendre une dernière bouffée d'air, puis je te rejoins, Marguerite. Elle devait avoir froid. C'est pour ça qu'elle est rentrée si vite. Moi, j'aime bien m'attarder un peu. Oui, on est bien ce soir. L'air est bon. Ça vous plaît ici? Pourquoi pas? C'est tranquille. Un petit jardin, une chambre confortable. Je me demande ce qu'un homme peut désirer de plus.
Je parlais justement avec ma fiancée tout à l'heure. Oui, j'ai pas voulu être indiscret. J'ai cru comprendre que vous l'épousiez bientôt. Elle n'attend que ça, mais je suis pas pressé. Ah, je vous comprends. Pardon? Je dis que vous avez bien le temps. Vous êtes pas pour le mariage? Pas trop, non. Je peux vous demander pourquoi? Les femmes sont plus agréables avant le mariage. Après, elles doivent devenir encombrantes. C'est ma façon de voir les choses. On voit que vous avez des idées bien arrêtées sur le sujet. Vous êtes déjà marié? J'ai failli plusieurs fois, mais je me suis toujours arrêté au bon moment. Vous avez une façon directe de dire les choses. Le mariage, c'est quand même une chose assez curieuse. Je me demande souvent si les hommes ont réellement besoin de se marier. Ça se pratique beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire. Sur une haute échelle. Mais ceux qui ont déjà trop d'habitude et ceux qui aiment leur liberté plus que tout... Ils ont sûrement de bonnes raisons de s'abstenir. Heureusement que Marguerite vous entend pas. La craignez-vous tant que ça? Moi, pas du tout, voyons. Je suis un homme, me laisse pas dominer par les femmes. Tu montes, Horace? Oui, oui, je monte. Je n'aime pas passer ces soirées seules. On doit m'attendre pour jouer aux dames. Aux dames? Ça doit être passionnant. Je sais rien qu'en attendant. Une fois marié, fini les dames. Et à quoi jouerez-vous alors pendant les longues soirées d'hiver? Ah, oh, c'est vrai qu'il y aura des enfants. Ah oui, bien sûr, les enfants. Les enfants. Moi, ce sont les enfants qui m'auraient plu dans le mariage. Et encore là, il faut s'oublier pour les autres. S'oublier pour les autres. C'est ça que je trouve difficile. Mais vous n'êtes pas le seul. Horace! Horace! Votre fiancé vous appelle. Allez. Nous aurons l'occasion de nous revoir et de parler de ces choses. C'est vrai, puisque nous habitons la même pension. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je t'ai souvent demandé de pas m'appeler comme ça, Roméo. Qu'est-ce que ça fait? C'est pas une insulte? Toutes les filles que tu connais, tu les appelles bébé. Ah, j'en connais pas tant que tu dis. Approche. On est tout seul dans le noirceur. Y a personne qui nous voit. Me promets-tu de m'écouter comme il faut? Je te promets tout ce que tu voudras. Viens. Roméo, c'est d'abord dans ton intérêt attends, que je... Attends un peu. Comme ça, on est mieux, tu trouves pas? Roméo, veux-tu m'écouter une minute, seulement une minute? Depuis qu'on se connaît, on s'est trop parlé, je te le dis, moi. On a négligé le restant. Le restant, ça compte plus que n'importe quelle discussion. Quand je trouve une fille de mon goût, j'ai pas envie de réciter les verbes avec elle, tu me comprends? Oui, Roméo, je le sais. Tu te fais des problèmes avec rien, bébé. Mais regarde-moi. Moi aussi, des fois, je pourrais m'en faire. Ça vaut pas la peine, crois-moi. Ça vaut pas la peine. C'est à rien que le commencement, bébé. On cesse de m'appeler comme ça. Te prends-tu pour la reine d'Angleterre, toi? Va voir les films américains, puis tu vas voir. Les plus belles actrices sont appelées bébé, puis ça ne fait rien. On n'est pas dans un film, Roméo, on est dans la vie. Puis, on n'a pas le droit de s'aimer dans la vie. Je vois que ça fait pas longtemps que t'es sorti du couvent. Avant de vouloir m'embrasser, Roméo, dis-moi que tu m'aimes, sincèrement. T'es certain que je t'aime, voyons, certain. Alors, si tu m'aimes vraiment, tu vas avoir à me le prouver. Tu vas commencer par te chercher du travail, puis gagner ta vie. Tu peux plus continuer comme ça, à perdre ton temps, vivre aux crochets de tout le monde. Je vois que les vieux t'ont monté la tête contre moi. Oh, ils m'ont jamais monté la tête contre toi. Ils m'ont toujours laissé libre. Moi aussi, je t'ai prêté de l'argent, Roméo. Beaucoup d'argent pour le salaire que je gagne. Puis tu me l'as jamais rendu. Ça m'est égal. Je peux attendre encore. Mais tâche de montrer un peu ta bonne volonté. Il y a personne qui veut m'employer. C'est pas de ma faute. Je te crois plus. C'est parce que tu t'en donnes plus la peine, c'est tout. Je te promets d'essayer encore. Tu contente, là? J'ai autre chose à dire, Roméo. Ça m'arrive pas souvent de parler comme je le fais, mais je vois que c'est devenu nécessaire. C'est ça, vas-y, vide ton sac. Roméo, pourquoi tu sors avec d'autres filles? Moi? Avec d'autres filles? Pas de mensonge, Roméo, je le sais. Depuis une semaine, tes amis rient de moi quand je passe dans la rue. C'est pas une preuve. Avant-hier, je t'ai vu avec une grande rousse. Je le sais, tu sors souvent avec elle dans le jour. Irène, une fille que je connais depuis des années. Tu la tenais par la taille. Tenir une fille par la terre, ça veut rien dire. Tu l'embrassais, ça non plus, ça veut rien dire. Hey, tu commences à m'achaler, toi!
Oh, mais oh, parle-moi pas comme ça. Si tu veux m'espionner, je vais t'en donner pour ton argent. Tu me disais que j'étais la seule, Roméo, que t'en verrais plus jamais d'autres. J'ai changé d'idée, j'aime pas ça tourner en rond. Tu m'aimes plus? C'est ça la vérité. J'aime sortir avec une fille tant qu'elle me demande pas de rendre des comptes. Mais quand une fille devient trop exigeante, je revire mon capot puis je pars. Non, Roméo, va-t'en pas. Qu'est-ce que ça me donne de rester? J'ai d'autres choses à faire que de t'entendre me chialer dans les oreilles. J'ai pensé à un moment donné que je te ferais perdre tes manières d'enfant de mari, mais je vois bien que je me suis trompé. T'es pas une fille pour moi, puis je suis pas un gars pour toi. Reste avec tes vieux singes, moi ça m'intéresse pas. Tu peux être aussi méchant que ça, Roméo? Ouais. C'est comme ça que j'ai été élevé, moi. Dans le fond des ruelles, c'est à coups de pied. Puis si t'as de la peine, c'est pas de ma faute. T'avais rien qu'à t'apercevoir tout de suite que j'étais pas du même monde que toi. Mais Roméo, ce que tu dis, tu le penses vraiment? Ouais. Pour une fois, je passe pas par quatre chemins, puis je mets pas des gants blancs. Salut, bébé. Non, Roméo, va-t'en pas! Va-t'en pas, Roméo! Oublie ce que je t'ai dit, va-t'en pas! Je pourrais donner un nom à chaque fleur de ce jardin, mais j'ignore encore le vôtre. Le mien, c'est Vincent. Le vôtre? Joanne. Je savais que vous seriez la dernière à quitter ce jardin ce soir. C'est l'endroit le plus tranquille que je connaisse dans cette ville, et pourtant, une jeune fille de 20 ans, c'est joli pour être heureuse, trouve moyen de venir y cacher sa peine. Qu'est-ce que vous me voulez, monsieur? Jaser un peu, je trouve les soirées de printemps trop belles, trop longues. Vous avez encore le privilège de pleurer, moi je l'ai perdu. Je ne le reverrai plus jamais. Il vient de me quitter pour toujours. Celui que je viens de croiser à la sortie de la ruelle, c'était votre amoureux? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus d'amoureux? On souffre, comme souffrent toutes les jeunes filles de votre âge, et puis... l'oublie. Qui êtes-vous pour me parler ainsi? Moi? Je suis personne. Allons, 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 ne pleurez plus. Vous ne réussissez qu'à vous attendrir vous-même et qu'à émouvoir les quelques fleurs qui dorment pas encore. Il a été très méchant. Je méritais pas ça. Je pensais que mon amour aurait pu le changer, le rendre heureux. Je me suis trompée. Vous avez le défaut de bien des femmes. Vous avez besoin de sauver quelqu'un. Je pense que je vais monter. Tiens, on dirait qu'il commence à pleuvoir. Qu'est-ce que ça fait? Beaucoup de bien aux lilas, ils vont s'épanouir. Madame Blanche va être heureuse. Allez, montez avant que votre homme ne soit trempé. Je l'avais mise pour lui. Encore amoureuse, vous la remettrez.